Je vais vous lire en guise d'introduction exactement ce qui est écrit dans l'introduction du Triduum Pascal, donc dans le missel, apparaît avant le jeudi saint. Voilà, je vais vous lire exactement ce qui est là en introduction dans le missel romain. L'Église célèbre solennellement, dans un triduum sacré, les mystères les plus grands de notre rédemption en faisant mémoire par des célébrations particulières de son Seigneur crucifié, enseveli et ressuscité. Un jeûne sacré de tonalité pascale devra être partout célébré le vendredi de la Passion du Seigneur et si c'est opportun, il sera prolongé le samedi saint, de telle sorte qu'on parvienne dans la liberté spirituelle aux joies de la résurrection du Seigneur. Pour célébrer comme il convient le triduum sacré, on fera appel à un nombre suffisant de ministres laïcs qui devront avoir été soigneusement instruits de ce qu'ils doivent faire. Le chant du peuple, des ministres et du prêtre célébrant est particulièrement important dans les célébrations de ce jour-là. C'est pour cela que j'ai demandé à nos choristes de toutes nos communautés de chanter ensemble, même si c'est un effort et qu'il faut... Je leur ai demandé et ils ont suivi le jeu et j'en suis très heureux. Car les textes sont davantage mis en valeur quand ils sont chantés. Que les pasteurs, et c'est à cause de cette phrase-là qu'on est là ce soir, que les pasteurs n'omettent donc pas d'expliquer aux fidèles du mieux qu'ils peuvent la signification et l'ordre des célébrations et qu'ils les préparent avec une participation active et fructueuse. Donc si on est là ce soir, c'est justement parce qu'on me demande de vous permettre d'entrer dans le Triduum Pascal en réfléchissant ensemble et en travaillant ensemble. C'est vraiment demandé dans le missel, et chaque année, on proposera, alors on ne fera pas tous les ans la même chose, mais chaque année, je proposerai une soirée pour qu'on prenne ensemble avec tous ceux qui veulent dans la communauté, de comprendre ce qu'on va célébrer. Là, j'ai le programme de chant, on va en parler. On pourra commenter pourquoi on a choisi tel chant ou tel chant. Mais si vous voulez, l'objectif, c'est vraiment qu'on prépare à vivre quelque chose de fort ensemble. Et le numéro 3 dit que les célébrations du Triduum sacré aient lieu dans les églises, et les cathédrales, les paroisses, et seulement dans celles où l'on peut le faire dignement, c'est-à-dire avec une assistance nombreuse, avec suffisamment de ministres et la possibilité de chanter les parties les plus importantes. Dès lors, il convient que les petites communautés et les tout petits groupes se réunissent dans ces églises. Ce Triduum Pascal-là, ces fêtes-là, n'ont de sens que si elles sont vécues en grande communauté. Parce que c'est vraiment les fêtes fondatrices de notre foi. Toute notre foi part de là. Et c'est important qu'on le vive dans une dimension ecclésiale forte. Vous avez vu que le jour de Pâques, j'ai mis en place, il y aura 6 messes le même jour sur notre communauté. Donc ça ne me coûte pas d'aller dans les villages célébrer la messe, c'est un plaisir de faire vivre les églises. Mais il y a des fois dans l'année où nous devons creuser, agrandir notre dimension ecclésiale plus forte, quitter nos clochers, pour nous rassembler pour des belles choses dans une grande église. Alors, vous voyez, dans le missel romain, avant même de dire comment ça se passe, il y a ces informations qui disent « Attention, c'est le fondement, il faut que tout le monde s'y prépare, c'est pas juste l'affaire du curé, de la chorale et du sacristain, c'est toute la communauté qui doit se préparer à vivre quelque chose de fort, on doit mettre les petits plats dans les grands, et on doit le vivre largement ensemble. » C'est ça que le missel romain nous dit en note. Donc vous voyez, rien qu'en lisant ça, on voit que ce soir on a bien fait de venir. Hein, voilà. En plus de passer une soirée sympa ensemble. Alors, on m'a posé une question et ça rejoint une vidéo que j'ai vue du frère Adrien d'Ardemar, dominicain qui fait beaucoup de vidéos pour expliquer les choses des fois. Du voile Triduum Pascal, c'est jeudi, vendredi, samedi. Dimanche. On parle de la semaine sainte. Qu'est-ce qui se passe lundi saint, mardi saint, mercredi saint? Qu'est-ce qui se passe? Alors on sait que le jeudi, Jésus, c'est la scène. On sait que le vendredi, il est crucifié. Le samedi, on attend et la nuit, il ressuscite. Mais le dimanche, lundi, mardi, mercredi, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous prenez les évangiles et que vous les lisez en continu, nous avons l'habitude d'avoir
dans notre esprit, parce que nous, on fonctionne de dimanche en dimanche, de temps d'année en temps d'année, mais l'évangile se continue. Alors, traditionnellement, on dit que le dimanche de l'ouverture de la semaine sainte, dimanche de la Passion, etc., c'est le dimanche de la purification du temple. Et traditionnellement, on dit que c'est le jour où Jésus a chassé les marchands du temple, c'est le dimanche qui ouvre la semaine sainte. Et c'est là qu'il dit « Détruisez ce corps et moi en trois jours je le rebâtis ». Le lundi, Jésus revient au temple, il enseigne et il se prend la tête avec les pharisiens. Le lendemain, il revient et là, il les dénonce. Il est méminable. Oui, hypocrite, pharisien, nanana. Et c'est là que, poussé à vif, ils le mettent en œuvre de vouloir le tuer. Le mercredi, c'est traditionnellement le mercredi de l'espion. C'est le jour où Judas passe le pacte pour les 30 pièces d'argent. Et puis on arrive au jeudi saint. Et là, le jeudi saint, la messe de la Seine. Le vendredi, l'office de la Passion. Le samedi saint, le saint silence. Jusqu'à la nuit, et on est déjà le dimanche, la vigile, on est déjà le dimanche, puisque comme je vous l'avais dit à la première soirée pour comprendre, notre calendrier commence avec la lune, et donc quand on se rassemblera samedi soir, nous serons déjà dimanche. Hein? En fait, le samedi saint, c'est le jour de la mort, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok ? Donc voilà un petit peu pour brosser le parcours de la semaine sainte, et donc on arrive au Triduum. Alors du coup, durant le Triduum Pascal, qu'est-ce que nous sommes invités à vivre, à célébrer ? L'Église célèbre et revit. Ce n'est pas juste une question de dire « tous les ans on regarde le même film ». C'est une question de dire « nous le vivons nous-mêmes ». Nous sommes le corps du Christ, ce que le Christ vit nous concerne, nous baptisés, nous, corps du Christ qui est l'Église. Donc nous le célébrons. Et nous le revivons. Nous célébrons, l'Église célèbre et revit le mystère pascal du Christ, c'est-à-dire le mystère de sa mort et de sa résurrection. L'Église nous invite à revenir à la source de notre foi. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous donner sa vie divine et faire de nous des enfants de Dieu. Si on doit revenir au premier message que les disciples ont porté au monde, c'est Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et il a donné sa vie divine pour nous faire de nous des enfants de Dieu. Il est mort, ressuscité, il nous a sauvés, nous sommes rachetés. La foi, ça serait ça. C'est juste ça et rien d'autre. Et donc, pendant ces trois jours-là, on doit revenir à la substantifique moelle de notre foi. Alors je vais dire quelque chose qui risque encore de ne pas plaire, mais j'assume. Tout au long de l'année, notre foi peut être remplie de tout un tas de piétés extraordinaires. Le rosaire, ou alors tel groupe comme ça, tel groupe comme ça, Saint-Antoine de Padoue, les âmes du purgatoire, tout ce qu'il y a dans la foi. Depuis le cinquième dimanche de Carême, on m'a encore demandé cet après-midi pourquoi les statues étaient couvertes. Pendant le temps de la Passion, on évacue tout ça. Pour ne porter notre regard que sur le chemin de croix, c'est-à-dire sur la mort jusqu'à la résurrection du Christ. Les textes disent, les seules images que l'on garde, c'est le chemin de croix et la Vierge est dans le chemin de croix. Et pendant le temps de la Passion, on est invité à prier Marie au chemin de croix qui est là avec son Fils. Elle est là, mais elle n'est plus en Notre-Dame de Lourdes, elle n'est plus une Vierge enfant. Pendant le temps de la Passion, Marie elle-même est avec son Fils. Mais le Sacré-Cœur de Jésus, Sainte-Thérèse de Lisieux et les deux statues dans le fond, elles sont couvertes. Les croix sont couvertes, il n'y a plus de corpus, on ne voit plus le corps de Jésus en croix dans l'Église. Ils sont couverts. Pourquoi ? Pour que tout le spectre de notre piété, de notre foi, ne se focalise plus que sur Jésus qui va donner sa vie pour nous. Et donc, c'est pas morbide, c'est pas pour faire peur, c'est pas pour créer une ambiance. Non, c'est pour dire, là, on va se centrer juste sur Jésus qui va aller au bout pour nous, la mort, la résurrection du Christ, notre salut. Et ça, c'est important. Et c'est là
qui est le sens de la Pâque. Elle nous enseigne que le chrétien dans l'Église doit mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et Julien qui est là et qui sera baptisé dans la nuit de samedi à dimanche, dans la nuit de Pâques, va être plongé par le symbole de l'eau dans la mort. Il va être un homme nouveau. Et l'Église, elle ne fait pas que l'enseigner, comme on montrerait du doigt quelque chose que l'on ne tient pas en son pouvoir. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous dire « Ah, regardez, c'est un tableau blanc avec un petit dessin, je vais le vendre à Pompidou à Paris pour 3 millions d'euros. » Non, ce n'est pas ça que je vais dire. Je ne vais pas vous montrer une œuvre. Nous allons vivre l'œuvre. Nous allons être les instruments de l'œuvre. Parce que quand le corps du Christ rassemblé se rassemble pour célébrer, c'est le Christ qui célèbre. Par le baptême, nous sommes tous participants à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. C'est notre mission de nous rassembler pour célébrer, avec le sacerdoce particulier, les prêtres, de revivre que Jésus donne sa vie pour nous. Donc on ne fait pas que l'enseigner, on l'opère. La Pâque, c'est le Christ qui est mort et ressuscité une fois, nous faisant mourir de sa mort et nous ressuscitant à sa vie. Et donc le Triduum Pascal, il est vraiment l'axe de toute notre foi. Ainsi, la Pâque n'est-elle pas une simple commémoration? C'est pas comme la commémoration du 8 mai, ou la conférence du 11 novembre, ou les commémorations de la Déborah. Non, on n'est pas là pour commémorer. On est là pour vivre. On est là pour l'actualiser. Elle est la croix et le tombeau vide rendus présents. Mais c'est maintenant, ce n'est plus le chef qui doit s'étendre sur la croix pour se relever du tombeau, c'est son corps. C'est l'Église. Et dans ce corps, c'est chacun de ses membres que nous sommes. C'est ce que dit le théologien Louis Bouillet, c'est que le soir, Jésus est présent dans les espèces eucharistiques. Jésus est présent dans le corps des baptisés rassemblés. Jésus est présent dans sa parole, les trois modes de présence du Christ. Quand on va commémorer la mise au tombeau du Christ, c'est à travers nous que cette mise au tombeau sera effective, parce que nous y sommes mis aussi par notre baptême. Et quand nous allons célébrer la résurrection du Christ, c'est à travers nous que cette résurrection, elle est opérante. Nous sommes appelés à ressusciter. Donc on ne commémore pas ce que Jésus a fait, on le revit, nous, pour nous, nous qui sommes le corps du Christ. Et donc, au cours de ces trois jours, la liturgie nous invite à méditer la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Et les rites de la messe chrismale, que nous célébrerons demain matin, expriment la plénitude du sacerdoce du Christ, ainsi que la communion ecclésiale qui doit animer le peuple chrétien. Demain matin, tous les prêtres du diocèse, en principe, vont se rassembler à la cathédrale avec les drobes, et tout le monde maximum autour de notre évêque, pour consacrer et prier les huiles qui vont soigner tout le corps du Christ tout au long de l'année. C'est-à-dire que demain, je rentrerai au presbytère avec le Saint-Crème qui servira à baptiser Julien et à baptiser tous les enfants de l'année, mais qui conférera le sacrement à tous ceux qui recevront la confirmation. Et si on doit consacrer un nouvel autel, il servira à consacrer le nouvel autel dans une église. Et s'il devait y avoir une ordination de prêtre, eh bien, servira pour l'ordination de prêtre. Et l'huile des malades, je la recevrai demain et nous allons moindre tous les malades du diocèse qui sont le corps du Christ. Et l'huile des catéchumènes, pareil pour les catéchumènes. La dimension de demain, la messe de demain, elle est là pour nous donner ce que nous allons célébrer ensemble et nous faire vivifier à travers nos corps à nous. Ce qui montre bien que quand on dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, quand l'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe », c'est cette phrase que chaque baptisé reçoit à son baptême. « Tu es mon fils, tu deviens fils de Dieu ». À la confirmation encore, soit marqué par l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et ce que Dieu a fait pour Jésus, il le fait pour chacune et chacun d'entre nous, à travers cette huile qui est par diocèse. Donc, l'Église commémore l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, et le commandement nouveau de la charité laissée par Jésus à ses disciples. Cette célébration nous invite à accueillir avec dévotion et adorer avec foi. Commémorant la passion et la mort de Jésus à la croix, le vendredi saint est un jour de tristesse, mais il est en même temps le moment propice pour se réveiller et pour réveiller notre foi, pour renforcer notre espérance et notre courage afin de porter notre croix avec humilité et confiance,
sûr de son soutien et de sa victoire. Et dans le grand silence du samedi, l'Église veille en prière, partageant les sentiments de douleur et de confiance en Dieu de Marie. Le jour de la Semaine Sainte où Marie est le plus présent, c'est le samedi saint, parce que nous sommes avec elle dans cette attente de la résurrection. Nous sommes, il n'y a plus qu'elle, Jésus est mort, Jésus est au tombeau, et pour autant on n'est pas seul. Marie est là et elle veille avec nous. Et s'il y a bien un jour, du coup, de la Semaine Sainte, où vous, avez, où vous voulez prier un chapelet, ou vous tournez vers le chemin, c'est le samedi saint. Et c'est pour ça que le vendredi soir, on entrera dans le silence du samedi par un office qui n'est pas catholique, un office byzantin, l'office des femmes mirophores. Et nous vivrons cet office de la mise au tombeau de Jésus, où la place des femmes est particulière, pour prier pour toutes les mamans, pour toutes les femmes en souffrance, et d'être avec Marie dans ce grand silence du samedi. Et voilà. Ce recueillement nous conduira à la veillée pascale où éclatera la joie de Pâques. Alors sera proclamée la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort et de l'Église, et l'Église se réjouira de sa rencontre avec son Seigneur. D'un office à l'autre, on change de monde. D'un office à l'autre, l'Église est complètement métamorphosée. Là, si vous êtes allé pour les rameaux, on a mis le paquet, on a accueilli un roi, on a mis les palmes, il y a du rouge, c'est beau, etc. Vous allez revenir jeudi soir, on sera dans l'ambiance du jeudi saint de la Seine, avec des tons jaunes, blancs, quelque chose d'intimiste, de beau, de décoré. Vous allez revenir vendredi, il n'y aura plus rien. Ce sera le dépouillement complet. Et en plus, j'aime à passer dans cette journée-là, Sœur Marie Kérouze, Sœur Maronite, qui a une voix absolument extraordinaire et qui chante le chant des lamentations en arabe. Et donc, avec les variations de voix arabes chantées par cette femme, on imagine trop et on voit trop bien la douleur de Marie. C'est très prenant. Ça peut faire un peu, ça fait très austère pour le coup, mais je mets en fond, pendant cette journée-là, dans l'église, on laisse les portes grandes ouvertes, tout est vide, plus de fleurs, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Et il y a ce chant des pleurs. Des femmes d'Orient dans les rites orthodoxes pendant, en dehors des offices évidemment. Avant l'office on coupe parce qu'on rentre dans l'office dans le silence, on verra ça, mais ça donne le ton de ce que nous sommes invités à vivre. Et puis alors le Havre pour Pâques, c'est explosion complète de joie, de vie, de lumière, de tout ça. Jeudi soir, la messe du soir en mémoire de la scène du Seigneur. Le soir, à l'heure qui convient le mieux, on célèbre la messe en mémoire de la scène du Seigneur avec la pleine participation de toute la communauté, tous les prêtres et tous les ministres accomplissant leurs fonctions. En principe, on devrait être tous les prêtres jeudi soir rassemblés. Tous les prêtres peuvent concélébrer, même s'ils l'ont déjà célébré. Bon, très bien. Là où une raison pastorale le requiert, l'ordinaire du lieu peut permettre de célébrer le soir une autre messe dans les églises et les oratoires. Si vraiment... il y avait une raison particulière, il peut même permettre... bon, après on est... Cependant, on prendra bien garde que telle célébration ne se fasse pas pour satisfaire des personnes privées ou des petits groupes particuliers. Et n'ait pas lieu au détriment de la messe du soir. Et là encore, on remet le clou en disant, c'est communautaire. Ce jour-là, les prêtres, c'est permis depuis le Concile Vatican II que les prêtres célèbrent la messe seuls, sauf ce jour-là. C'est interdit. Ce jour-là, je n'ai pas le droit de dire ma petite messe dans mon coin. C'est interdit. On est forcément obligé de concélébrer ou de venir avec une communauté. Parce que c'est la messe des messes. C'est l'institution d'Eucharistie. Sans ce soir-là, il n'y aurait pas la messe. Et d'ailleurs, dans le missel, il y a des modifications. La communion ne peut être donnée aux fidèles que durant la messe. On ne porte pas la communion à domicile ce jour-là, mon malade. Mais on peut, au partout malade, aux infirmes, à n'importe quelle heure de la journée, sauf cas d'extrême urgence, etc. Mais par convenance, on ne donne pas la communion en dehors. L'autel sera orné de fleurs, donc devant, avec la modération qui convient à la nature de ce jour. Le tabernacle sera tout à fait vide. Pour la communion du clergé et du peuple, aujourd'hui et demain, une quantité suffisante de pain sera consacrée. C'est-à-dire que je vais, jeudi matin, vider, consommer toutes les hosties qui sont au tabernacle. Il n'y aura pas la présence réelle à l'église au début de la messe.
Très vite. Parce que c'est l'institution de l'Eucharistie. Pourquoi? À partir du moment où on entrera dans le Triduum pascal, figurez-vous que théologiquement et dans notre foi catholique, on est au cénacle avec Jésus. On n'est pas dans notre Église. Ce que nous vivons, nous assistons directement, là, maintenant, vraiment, à Jésus qui fait les gestes là pour nous ce soir. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de présence réelle. Parce que c'est au moment où les prêtres vont consacrer que le miracle eucharistique sera là, pour la première fois. Et on se rend présent à ça. Alors du coup, j'ai regardé, en donnant la communion ce matin, ça, le ciboire n'est pas trop trop plein, mais en rigueur de terme, il faudrait que je vide tous les tabernacles des 8 églises. Alors là, comme il n'y a pas d'office pendant les 3 jours, voilà. Mais s'il y a trop, on a la possibilité d'enterrer les espèces en terre, dans le jardin du presbytère, ou de les dissoudre à l'eau et d'enterrer ensuite l'eau. Une année, ils avaient mal géré les hosties dans ma communauté. J'avais un saladier comme ça, plein de Saint-Sacrement. On est même avec 4 prêtres, on s'est dit non, c'est pas possible. Donc, on a dû s'organiser pour faire ça dignement et avec respect, etc. etc. Mais bah, là, c'est pas trop mal géré. C'est bien. Ouais, donc, vous vous rendez compte, c'est pas. Il y aura, le tabernacle sera ouvert et vide. Parce qu'on va vraiment suivre Jésus comme si on était. D'accord? On chante le Gloria qu'on a pu chanter pendant tout le carême. Pendant le chant de l'hymne, les cloches sonnent. Elles se taisent ensuite jusqu'à la vigile pascale, à moins que l'évêque diocésain, s'il juge opportun, en décide autrement. De même, pendant ce temps, l'orgue et les autres instruments de musique ne peuvent être utilisés que pour soutenir le chant. Vendredi saint, l'orgue, il donne juste le ton, ou il accompagne juste. Ensuite, bon, la prière d'ouverture. Après la proclamation de l'évangile, le prêtre fait l'homélie dans laquelle il met en lumière le mystère principal, à savoir l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, ainsi que le commandement du Seigneur sur la charité fraternelle. Après l'homélie, on procède au lavement des pieds, là où pastoralement il semble bon de le faire. Ceux qui ont été choisis parmi le peuple de Dieu sont conduits par des ministres au siège qui leur ont été préparés à l'endroit le plus approprié. Alors le prêtre, après avoir déposé la chasuble, s'approche de chacun, verse de l'eau sur les pieds, puis les essuie, aidé en tout cela par les ministres. Pendant ce temps, on chante quelques-unes des antiennes suivantes ou d'autres chants, des chants qui mettent l'accent sur la charité. Parce que dans l'évangile de Saint Jean, c'est le lavement des pieds, c'est pas l'institution de l'Eucharistie. L'institution de l'Eucharistie, elle est chez Matthieu, Marc et Luc. C'est Saint Jean, avant d'être arrêté, Jésus lave les pieds de ses disciples. D'accord? Et donc, là, j'ai déjà 4 personnes, donc on verra tout à l'heure après parmi vous qui aura ça. C'est un moment très fort. Alors, c'est un moment difficile, parce que laver les pieds de quelqu'un, ce n'est pas forcément facile. Pour nous, les prêtres, ce n'est pas forcément évident, mais vécu dans la foi, ça bouleverse profondément. Et d'accepter de se laisser laver les pieds, c'est pas plus simple non plus. Parce que quelqu'un touche cette partie de notre corps, ce n'est pas facile, c'est un geste qui parle beaucoup, qui parle par lui-même. Et donc là, j'y tiens, donc il y aura 12 membres de notre communauté qui je ferai ce geste-là. Après le lavement des pieds, le prêtre se lave les mains, c'est écrit. Je lis, hein. Non, mais rassurez-vous, l'Église a tout prévu. Après avoir lavé les pieds, le prêtre se lave les mains et les essuie. Il remet sa chasuble et revient à son siège, et de là, il préside la prière universelle. On ne dit pas le credo. Et ensuite, il y a la liturgie eucharistique, et là, on met l'accent sur la présence. Alors, on dit toujours l'offertoire. Mais ça, l'offertoire, c'est dans la messe avant le concile, hein. On l'avait déjà vu. On parle dans la nouvelle liturgie qui est la nôtre de la présentation des offrandes. Et donc là, il y aura une procession des offrandes avec des membres de la communauté qui apporteront les choses. Et pendant ce temps-là, on chante Où sont amour et charité, Dieu est présent, ou un cantique qui s'approche.
Voilà, il y a quelque chose qu'on a pris avant, mais il y a vraiment quelque chose qui accompagne cela. Et puis ensuite, c'est la messe, comme je dirais tous les jours ou tous les dimanches, sauf que pendant la prière eucharistique, il y a des changements. Quelle que soit la prière eucharistique que je prends, la prière de consécration, il y a un changement. Je prends la 2, parce que c'est celle que vous connaissez le plus, mais ce n'est pas celle que je prendrai le soir là. C'est la plus courte. Mais je vous lis déjà. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, qu'on n'a pas d'habitude ça, c'est pas du tout cette formule-là. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est comme tous les temps. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui. Le texte, c'est au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, d'habitude, c'est il prit le pain et rendit grâce là. Je dis, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui. Ce qui montre bien que nous sommes en présence même de Jésus qui le fait hic et nunc, ici et maintenant pour nous. Parce qu'on parle de l'unique sacrifice de Jésus, de l'unique sacrifice du Christ, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous l'avais dit la première soirée, qu'on célèbre la messe, on ne recrucifie pas Jésus. On est rendu présent à son unique crucifixion, à son unique salut, à son unique scène. C'est nous qui faisons un bond et qui nous sommes mis en présence de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il n'est pas. À chaque fois qu'on dit une messe, il n'est pas en train de tout revivre. Mais quand nous disons une messe, nous sommes présents à ce que Jésus a vécu. Et c'est pour ça que, quelle que soit la prière universelle, quelle que soit la prière eucharistique, par exemple, si je prends la une, la veille du jour où il devrait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le mat dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel. Si je prends la prière eucharistique 3, toujours la même chose, la nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui. À chaque fois, on rend présent les choses. Et ensuite, c'est la messe et la communion. Et donc, il prend l'hostie. Ensuite, le rite de la communion, page 512. Alors là, on vient comme normal. Au moment de la communion, il est bon que le prêtre confie l'Eucharistie qui se trouve sur la table au diacre, à l'acolyte et aux autres ministres ordinaires pour qu'ensuite ils apportent. Voilà, ok? On tient la distribution. Là, ils disent pas s'il faut communier sous les deux espèces ou pas. Mais ce soir-là, c'est plus que prévu, c'est prévu, c'est permis. C'est toujours compliqué à mettre en œuvre. Alors, il y aura la liberté à chacun. On ne communie pas en buvant dans la coupe, hein, pour des raisons qui sont évidentes. L'année dernière, j'ai acheté deux sets de communion par intaction, c'est-à-dire que le prêtre, il a une coupe sur laquelle est fixé un petit calice. Et donc, c'est le prêtre qui prend l'hostie, la trempe et dans la bouche. Ceux qui ne veulent pas communier à la bouche, pas de problème, à ce moment-là, ils auront que la communion à l'hostie comme d'habitude. Mais on ne fait pas trempette soi-même, parce que sinon les gens ils mettent le doigt dedans, ils sortent, ils mettent des gouttes partout. Je vais vous raconter tout ce que j'ai vu. Donc moi j'en peux plus. Donc c'est clair et net. Les deux communions aux deux espèces, c'est avec moi-même et un autre prêtre devant l'autel et à la bouche. Si vous ne voulez pas communier à la bouche, respect, il n'y a pas de souci. Vous irez de part et d'autre, il y aura possibilité de communier, mais ce sera à la main, mais il n'y aura que sous une espèce. Pour des raisons élémentaires. De respect, c'est le précieux sang, d'hygiène et de commodité. Parce que, voilà. Et vous ne serez pas surpris, les enfants de cœur tiendront un linge de part et d'autre et les prêtres sont au-dessus pour que s'ils devaient malheureusement y faire. Dans le temps, on avait le plateau. Hein? Ben là, comme le plateau, c'était au cas où l'hostie tombe. Mais là, comme il y a du précieux sang, les gouttes sur le plateau, ça ne va pas. Je préfère que ça aille sur le linge. Et le linge, après, je peux le purifier et faire ce qu'il faut comme c'est prévu. Mais donc, vous ne serez pas surpris. Il y aura deux servants qui tiendront une petite nappe.
l'arche comme ça, et nous les prêtres, on sera au-dessus, et de telle sorte que ce soit respectueux. Ça, c'est important, et ce sera les hosties et le présbytère consacré sur place, parce qu'on sera vraiment au cénacle avec Jésus à ce moment-là. La distribution de la communion étant achevée, le ciboire avec les hosties pour la communion du lendemain reste sur l'autel. Le prêtre se tenant debout au siège dit la prière après la communion, comme tous les dimanches. Et là, à nouveau, un gros morceau, parce que c'est là que il y a tout un symbolisme très grand et très fort qui se met en place. Après cette prière, le prêtre vient devant l'autel, il met l'encens dans l'encensoir, il le bénit et à genoux, il encense trois fois le Saint-Sacrement. Ensuite, ayant reçu le voile huméral de couleur blanche, il se relève, prend le ciboire qu'il recouvre avec les extrémités du voile. Et puis là, on part en procession pour porter le Saint-Sacrement, accompagné par les cierges, l'encens, etc., avec la croix, les cierges, suivant les ministres, voilà, et devant le prêtre qui porte le Saint-Sacrement, avance, voilà, tout ça, on chante pendant ce temps-là une hymne. Et on va jusqu'au reposoir. Alors là, je verrai en fonction des enfants de cœur que j'ai comment ça fonctionne. C'est vraiment Jésus et nous tous qui le suivons, c'est vraiment le corps du Christ, c'est vraiment Jésus qui quitte le cénacle. C'est pas juste, on fait juste une procession pour se promener dans l'église ou aller mettre au tabernacle, c'est pas la question. C'est, on a communié, on sort du cénacle avec Jésus. Et on fait cette marche, et quand le prêtre passe, les fidèles sont invités à quitter les bancs et à suivre. Et on aménagera, dans la chapelle de semaine habituelle, un reposoir qui sera aux colorations du Jardin des Oliviers. Et on va, jeudi matin, s'employer à transformer ce reposoir-là en quelque chose qui nous rappelle Jésus à Gethsémani. D'accord ? Et donc la procession est parvenue au poseur, le prêtre, avec l'aide du diacre, si besoin, dépose le ciboire dans le tabernacle dont la porte demeure ouverte. Ou alors on fait un reposoir, évidemment. Puis, ayant mis l'encens dans l'encensoir, il encense à genoux Saint-Sacrement, tandis qu'on chante Tantum Ergo ou un autre chant. Ensuite, le diacre ou le prêtre lui-même referme la porte. Donc on peut tout à fait fermer le reposoir. Après un temps d'adoration en silence, le prêtre et les ministres font génuflexion et retournent à la sacristie. Au moment qu'il convient, on dépouille l'autel. Si possible, on enlève les croix de l'église. Il convient de voiler celles qu'on ne peut pas enlever. Si on n'a pas voulu voiler tout le cinquième dimanche de la Passion, là, on doit le faire. C'est un beau geste. Donc là, les prêtres dépouilleront l'autel. Ensemble. Nous l'incluons dans la liturgie. Le sens est de dire, ben voilà, la table, l'autel, c'est le Christ. Il va aller maintenant à Gethsémani, il va aller au dépouillement complet, au dénuement complet. On dépouille l'autel, c'est en préparation du lendemain. Mais il y a ce sens fort de dire, ben Jésus, il a donné son corps, il a donné son sang, il va aller maintenant jusqu'au dépouillement complet, jusqu'à donner sa vie. Et donc, de façon solennelle, mais solennelle, visuelle, faite en silence, les prêtres enlèvent les cierges, enlèvent la croix voilée, enlèvent la nappe, et l'autel est complètement nu. Et là, les fidèles sont invités, selon les circonstances des lieux et des choses, à poursuivre l'adoration devant le Saint-Sacrement pendant une partie convenable. Toutefois, après minuit, cette adoration se fait sans solennité. Alors, ça veut dire que jusqu'à 22h30, on aura une adoration méditée. On a prévu des textes. Il est traditionnellement, pendant le temps, on lit les quatre derniers chapitres de l'évangile de Saint Jean, le discours sacerdotal de Jésus. « Je ne prie pas seulement sur eux, mais pour tous ceux qui croiront en mon nom, Père. Je ne suis pas du monde comme eux ne sont pas du monde. Je suis tiré du monde pour les mettre en face du monde. » Tout ce long passage-là, on le lit pour se rappeler ce qu'il en a. Traditionnellement, hein, on n'est pas toujours, voilà, ça peut être un peu long, il peut y avoir des chants, des prières, des méditations. Et cette année, je vous propose ceci, à 22h30, on rappellera que Jésus a été arrêté au jardin et qu'il a été conduit au cachot. Si vous êtes allé à Jérusalem, on voit le cachot où probablement Jésus a passé sa dernière nuit. À Saint-Pierre-en-Galilée, c'est un lieu tenu par les pères français,
Eh bien, nous, on a la chapelle Notre-Dame de Pitié, de la Pitié, eh bien, à 22h30, sans solennité, je prendrai le Saint-Sacrement et on commémorera que Jésus a été extrait du jardin des Oliviers pour aller au cachot et on marchera sans aucune solennité ni rien, en silence, sans cierge, sans rien, dans la nuit, au milieu de ce monde, et on marchera jusqu'à la chapelle Notre-Dame de la Pitié. Et là, on aura juste veillé à ce qu'elle soit propre, qu'il y ait un peu de lumière, qu'on aura mis du chauffage, mais il n'y aura pas de fleurs, il n'y aura pas de décorum, ni rien du tout. Et nous allons nous relayer pour toute la nuit être avec notre Seigneur au cachot jusqu'au lendemain, jusqu'à son chemin de croix. Et voilà, c'est quelque chose que je propose un peu différent, ça va bouleverser les habitudes, mais ça s'y prête, la chapelle, elle n'est pas très loin, on y est en 5 minutes à pied, et ça nous permet de vivre ce que l'Église nous dit, de vraiment vivre, de pas nous commémorer, mais de le vivre nous-mêmes. À 22h30, alors que probablement ça va cailler, on va sortir, on va marcher, on va se mettre en route et on va mettre nos pas dans ceux du Christ. Le lendemain matin, l'adoration silencieuse terminera à 7h. Et à 7h, alors c'est les petits, tout petits de la chapelle, on verra avec ceux qui seront là, on priera l'office des Laudes. Et puis, on arrête là. Et on se retrouvera à 10h pour une dévotion qui n'est pas prévue, elle est fortement conseillée, pour le chemin de croix. Parce que Jésus, il a été crucifié de 12h à 15h. Et donc, probablement qu'il est sorti du prétoire, etc., etc., le temps de faire. Donc, nous, à 10h, on se retrouve à Ponce, pas Ponce Pilate, mais à Ponce Saravi, l'école. Et on va pouvoir faire un long chemin de croix. On a encore fait un bout du parcours ce soir, avec les 14 stations jusqu'à la maison de retraite des Jardins. Les anciens de la résidence le commenceront en même temps que nous. Les membres de la communauté qui ne peuvent pas marcher, etc., pourront aller directement à 10h là-bas. Ils seront accueillis dans le hall, c'est vu avec la direction. Et on terminera. Ils ont la même méditation que nous. On a fait le point, on aura la même méditation. Et on terminera le chemin de croix ensemble par la 14e station, ensemble. Ça sera vers 11h. Et là, on repart tous chez nous et on se retrouve à 15h, on arrive à l'office de la Passion. Donc le vendredi et le samedi saint, selon une très ancienne tradition, l'Église ne célèbre pas les sacrements, à l'exception de la pénitence et de l'onction des malades. Donc pas de messe ce jour-là. Pas de messe, pas de baptême, sauf en cas de mort imminente, mais, et dans la mesure du possible, pas de funérailles. Alors parfois, on n'a pas le choix. On célèbre des funérailles le samedi saint. Alors ça, c'est Jésus est mort, donc il n'y a pas de tabernacle, pas de cierge pascal, pas d'eau bénite, pas d'encens, pas de cierge du tout. On vient avec le corps, on le met dans l'église, et puis c'est tout. Alors c'est dur, vaut mieux attendre. Aujourd'hui, on a les moyens d'attendre, vaut mieux. Parce que sinon, c'est déjà pas facile pour les familles de perdre quelqu'un, mais de célébrer des funérailles comme ça. Alors, si c'est une famille qui est vraiment dans la foi, ça prend son sens. Mais quand on est face à des familles qui sont un peu loin de l'Église, et donc voilà. L'autel doit être complètement dépouillé, sans croix, ni chandelier, ni nappe. Hein. C'est, ils nous le disent au cas où on est dans une autre église. L'après-midi de ce jour, vers 3 heures, à moins qu'une raison pastorale ne fasse choisir une autre heure, cette action comporte trois parties, liturgie de la parole, l'adoration de la croix et la sainte communion. Le prêtre et les diacres, revêtus des vêtements de la messe, qui sont de couleur rouge, s'avancent vers l'autel en silence et, après l'avoir salué, se prosternent face contre terre. Tous prient en silence pendant quelque temps, tous les autres se mettent à genoux. Ensuite, le prêtre avec les ministres gagne le siège où, se tenant tourné vers le peuple, il dit, les mains étendues, l'une des prières suivantes en omettant l'invitation. Vous noterez qu'il est écrit se tournant vers le peuple. Vous avez entendu? Le ministre garde le siège, se tenant tourné vers le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon normale de célébrer la messe. Je ferme la parenthèse. Je l'ai écrit. On a l'habitude maintenant que c'est toujours face, mais c'est une adaptation permise. Mais la forme normale
Et en fait, ce qui nous induit en erreur, c'est que Saint-Pierre de Rome, c'est mal fichu. Saint-Pierre de Rome, on devrait être dans l'autre sens. Elle est construite à l'envers. Comme il y avait la colline derrière et qu'ils n'ont pas pu faire la nef derrière, ben, ils l'ont fait devant. Donc on a toujours le pape en face. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas la place derrière pour la nef. Donc en fait, le pape célèbre toujours dans le bon sens. Sauf que nous, on est en face. Bon, c'est une parenthèse. Mais ça montre bien que même dans notre livre français, c'est précisé quand le prêtre doit se tourner vers les gens. Voilà. Bon, il y a l'oraison, ensuite tous s'assoient, on proclame la première lecture tirée du prophète, vient ensuite la deuxième lecture, puis on lit la passion. De la même manière que le dimanche des rameaux, après la lecture de la passion, le prêtre fait une brève homélie, voilà, il peut inviter, voilà. Puis c'est la grande prière universelle. Alors ça, c'est très longue, hein, il y a toujours une prière, et c'est vraiment, la prière universelle, c'est un cri qui monte vers Dieu, pour attirer son attention sur le monde. Et quand est-ce qu'on prie le plus, objectivement? C'est quand on est dans la muise. Spontanément, quand tout va bien, on n'est pas forcément tourné, spontanément, on ne se tourne pas malheureusement vers le bon Dieu. En général, quand on se tourne vers lui, c'est « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Et bon, ça va, et là, oh Seigneur. Et bien, c'est vrai, on est fait comme ça. Et la prière universelle, elle se tourne vers le Seigneur au moment où on célèbre sa mort, en disant, ben oui, le mal est là, la souffrance est là, et dans notre souffrance, on se tourne vers Dieu avec Jésus. Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et cette prière universelle, elle s'inscrit dans « entre tes mains, je remets mon esprit ». Même si je vais mourir, je me tourne vers toi, Père. Et donc, elle est dite par le diacre, en son absence, un ministre, voilà. Voilà, tous prient un moment de silence, voilà. Et il y a toutes ces... Avant la prière du prêtre, on peut aussi employer, conformément à la tradition, l'admonition du diacre, « Prions à genoux, levons-nous, levate », ça vous rappelle pour les plus anciens. Cependant, la conférence peut prévoir d'autres choses. Et là, il y a toute cette longue prière, avec à chaque fois pour l'Église, pour le pape, pour le clergé et le peuple fidèle, pour les catéchumènes, pour l'unité chrétienne, pour les juifs, pour ceux qui ne croient pas au Christ, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour les responsables des pouvoirs publics, pour ceux qui sont dans l'épreuve, et voilà. Et, j'en ai oublié, ah, c'est juste. Et en fait, ça nous rappelle une chose, Jésus est mort pour qui ? Pour toute l'humanité, pas seulement pour nous qui croyons en lui. Jésus est mort pour toute l'humanité. Et toute l'humanité est sauvée en Jésus-Christ. Même ceux qui ne veulent pas croire en lui sont sauvés par Jésus-Christ. Après, ils adhèrent pas, mais il n'empêche que Jésus a livré leur vie pour eux aussi. C'est pour ça que dans cette prière universelle, on prie pour ceux qui ne croient pas en Jésus, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour toute l'humanité. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Après, on arrive dans l'adoration de la croix, et là, la croix qui a été voilée depuis le cinquième dimanche de carême, ou depuis le début, depuis la veille, est dévoilée. Le temps de la passion où on a voilé tout ça prend tout son sens là. C'est-à-dire que la privation du regard de la croix fait qu'on la regarde avec un œil nouveau. Le fait de la découvrir, le fait de mettre en scène cette croix nous conduit à la voir autrement. C'est pour ça que j'ai proposé dimanche après-midi de regarder La Passion de Mel Gibson. Alors, je sais que c'est un film qui fait polémique, etc. etc. mais avec les personnes qui étaient là et qui l'ont regardé, je peux vous dire que ça nous a mis dans une disposition à vivre la Semaine Sainte plus conscient de ce qu'on va vraiment vivre. Et l'intérêt, il est là. C'est que nous, des croix, on en a partout. Il y en a, moi j'en ai dans toutes les pièces du presbytère, vous en avez peut-être toutes chez vous. Il y en a là, dans l'église il y en a 50. On en a au médaillon, on en a même en bijoux, on change. J'étais séminariste, j'étais très coquet, j'avais une croix pour le temps pascal, j'avais une croix pour le temps ordinaire. Parce que chaque fois que je trouvais une belle croix, je l'achetais, je dis hop, puis je changeais, voilà. Maintenant j'ai plus de croix, c'est ça, maintenant j'ai une médaille plus simple. Mais voilà, des croix, les croix c'est fantaisie, c'est pas fantaisie, très bien. Eh bien, le Vendredi Saint, la croix qu'on regarde, la croix qu'on découvre, c'est comme si on était vraiment devant Jésus qui est crucifié là pour nous. On doit regarder cette croix avec le regard de se dire « Ah oui, quand même, il a fait ça pour moi. Il est quand même allé jusque-là. »
Et ça, c'est important. Alors, du coup, oui, ça met en avant cette dimension de souffrance que l'on peut reprocher très souvent dans le christianisme. Une religion douloureuse, doloriste, voilà, flagellée, etc. Et donc, lundi soir, je l'ai livré, cette réflexion, au chemin de croix. J'en parlais ce matin lors du Catholic Feed du jour. Pourquoi Jésus nous a sauvés en souffrant? Parce que s'il y a bien une chose que nous avons tous expérimentée dans notre vie, là, tous, c'est la souffrance. La souffrance n'épargne personne sur la terre. On a tous souffert de perdre quelqu'un qu'on aime. On a tous souffert d'être malade. On a tous souffert de tomber, de se faire mal. On a tous souffert peut-être pas tous, mais d'être trahi par un ami, de manquer quelque chose. La souffrance, on l'a tous expérimentée. Et d'ailleurs, le premier cri d'un bébé qui vient, c'est un cri qui manifeste la souffrance, l'arrachant à la mère, la sorte de la vie. Eh bien, si Jésus, il nous sauve en souffrant, c'est parce qu'au moins, par là, il est sûr que tout homme, tout humain, a vécu ce qu'il vit aussi. Parce que si, qui peut dire ici que tout le monde est heureux, que tout le monde est riche, que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde connaît l'amour, que tout le monde connaît la joie, que tout le monde connaît la chance? On ne peut pas. Il y a des gens sur cette terre qui ne connaissent jamais l'amour dans leur vie. Il y a des gens qui ne connaissent jamais la joie. Il y a des gens qui ne connaissent jamais la paix. Il y a des gens qui ne connaissent jamais la bonne santé. Et si Dieu, en Jésus, veut rejoindre toute l'humanité, il prend ce qui est commun à toute l'humanité, c'est nos souffrances. Parce que devant la souffrance, on est tous, il n'y a pas encore de riches, de pauvres, etc. Si, évidemment, mais face à la mort, mais même les riches souffrent, hein. Peut-être pas comme nous, dans d'autres circonstances, mais ils souffrent aussi. Et la contemplation de cette croix et la vénération de cette croix, quand elle nous est présentée et qu'après on vient en procession la vénérer, c'est de dire, mais ouais, j'ai foi en toi parce que tu as voulu me rejoindre dans ce qui moi-même me rejoint à toute l'humanité. Quand nous les prêtres, nous recevons le peuple de Dieu en confession, ou quand moi, prêtre, je vais chez un autre prêtre pour recevoir le sacrement de la réconciliation, ce qui nous est le plus commun à tous, c'est que le péché nous fait souffrir. C'est que le péché nous conduit à nos manques d'amour. Ça, même si on ne fait pas tous les mêmes, le sentiment et les fruits qui en sortent sont les mêmes pour nous tous. Et c'est pour ça que ben c'est dingue, mais en fait, c'est ça qui nous lie le plus. On sait tous ce que c'est que d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime et d'avoir eu à vivre un deuil. Tout le monde a perdu quelqu'un dans sa vie un jour, et que cette mort lui a fait quelque chose. Et bien, en passant par là, Jésus est sûr, mais sûr, de rejoindre toute l'humanité. Il n'y en a pas un qui n'est pas concerné. Vous vous rendez compte? Il est là, l'objet de la souffrance. Il n'est pas parce que Jésus, il est SM et qu'il veut souffrir parce que c'est sympa de souffrir. Non! S'il choisit cette voie-là, c'est parce que par cette voie-là, il est sûr qu'aucun humain, aucun homme, aucune femme sur cette terre ne sera exclu de son salut. Ça va? Vous avez déjà vu ça comme ça? Non? Bon, eh ben dites-vous quand vous regardez une croix que c'est pas un signe atroce, au contraire, et que ça prouve vraiment que Dieu il a voulu sauver tout le monde et pas seulement les bons cathos qui vont à la messe le dimanche. Du coup, après l'adoration de la croix, qu'on vénère, il y a le moment de la Sainte Communion qu'on appelle l'office de la Passion, ou si vous voulez un nom plus costaud, c'est bien à mettre au Scrabble, l'office des présanctifiés. Les présanctifiés. C'est-à-dire qu'on va communier les hosties qui ont été présanctifiées. C'est le seul jour de l'année, quand un prêtre dit la messe, il doit consommer ce qu'il a. Pour que j'ai ma messe valide, il faut que je consomme les hosties que j'ai consacrées pendant la messe. D'accord? Sauf ce jour-là. C'est le seul jour, c'est pour ça qu'on appelle l'office des présanctifiés.
après sanctifié. Et donc, là, on met la nappe sur l'autel, on y place le corporal et le missel. Entre-temps, un diacre, ou à son défaut le prêtre lui-même, ayant revêtu le voile huméral, va prendre le Saint-Sacrement au lieu où on l'a déposé la veille, il revient vers l'autel par le chemin le plus direct. Pas de procession ni rien. On pourrait dire, tiens, on est allé au reposoir, on va faire le chemin à l'inverse, tout le monde va au reposoir, on prend Jésus, on vient. Non, non, c'est pas ça. Il est mort. Et on va consommer tout ce qui reste de lui. Il n'y a plus d'hostie hein, après la communion. Saint-Sacrement, Cierge Lumière, le dépose près de l'autel, lorsqu'il est, voilà, ok, et puis ensuite le prêtre dit à haute voix, comme nous l'avons appris du Sauveur, de notre Père, délivre-nous de tout mal, car c'est à toi. Et puis voici l'agneau de Dieu. On ne chante pas l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde parce qu'il n'y a pas de sacrifice à portement parlé à ce moment-là. On n'y a pas la fraction. On enchaîne. Seigneur, je ne suis pas digne. La communion, la prière post-communion. Pour le renvoi, l'assemblée, le diacre ou son prénom, inclinez-vous pour la bénédiction. La prière debout tournée, tournée vers le peuple en étendant les mains. Que ta bénédiction, Seigneur. Puis, après avoir fait une génuflexion à la croix, eh bien, il n'y a plus de Saint-Sacrement. Il n'y a plus de Saint-Sacrement, donc on ne fait pas la génuflexion d'habitude. On ne fait que la génuflexion vers le Saint-Sacrement, sauf le vendredi de la croix, puisqu'on est en présence du corps mort de Jésus sur la croix. Et c'est pour cela que c'est le seul jour de l'année où on fait une génuflexion devant autre chose que le Saint-Sacrement, et ce jour-là, c'est la croix. On quitte les bancs en faisant la génuflexion, et on se retire en silence. Après la célébration, l'autel est dépouillé. Cependant, on laisse sur lui la croix avec deux ou quatre chandeliers. Et on laisse la croix. Et c'est là que je ferai une entorse liturgique qui s'inscrira dans ce qu'on verra après. Je mettrai la croix couchée et j'irai, on apportera l'épitaphios. L'épitaphe, vous savez ce que c'est une épitaphe ? L'épitaphios, c'est le linge sur lequel est peint à la manière d'une icône le corps mort de Jésus. Et la croix sur l'autel sera recouverte de cet épitaphios qui restera là. Et le soir, après, quand on reviendra pour l'office des miroforts, les femmes qui seront là porteront cet épitaphios et on ira en le portant jusqu'à l'église de l'Ouf. Et à l'office des Ouf, on chantera l'office de la mise au tombeau et des miroforts. Et c'est là, c'est les femmes qui seront là, qui porteront cette épitaphios et qui feront l'office de la mise au tombeau et qui déposeront des fleurs, des parfums, puisque les femmes sont venues pour l'accompagner les seules à ce moment-là. C'est une petite entorse que je fais pour faire le lien avec l'office qu'on vivra après. Ce n'est pas une grosse entorse au sens où la croix reste là et on a la figurative du corps de Jésus qui est là. Le samedi saint, l'Église demeure auprès du tombeau de son Seigneur. Samedi saint, on est avec Marie, on est près du tombeau, l'Église reste vide, ouverte, il y a les chants de Marie Kérouse dans une Église complètement vide, c'est pas complètement vrai, parce que le samedi matin à 9h, on passe le ménage et on fait la déco pour le soir. Ça prend du temps, hein, voilà. Et donc, voilà, elle médite la passion, voilà. La table de l'autel ayant été dépouillée, l'Église s'abstient de célébrer le sacrifice de la messe. Après la vigile solennelle, cette attente nocturne de résurrection, on éclate de joie. Aujourd'hui, la communion ne peut être portée qu'en viatique. Pas de communion aux malades, ce jour-là. C'est que si quelqu'un est en train de mourir. C'est pour ça qu'on garde 3-4 aussi de côté au cas où. Et de là, on arrive à la vigile pascale. Selon une tradition très ancienne, cette nuit est une veille en l'honneur du Seigneur. Elle est ordonnée de telle sorte que, selon les recommandations de l'Église, les fidèles, tenant en main leur flambeau allumé, soient semblables à des hommes qui attendent leur maître afin qu'à son retour, ils les trouvent en train de veiller. Et en rigueur de terme, cette messe-là, dans la première partie, la seule lumière qui éclaire l'Église, c'est la lumière du cierge pascal, et la lumière du cierge pascal que nous avons reçu et qui nous rappelle le cierge que nous avons reçu au jour de notre baptême. Le seul qui ne verra rien dans la première partie, c'est Julien, parce qu'il n'aura pas de cierge, lui. Il ne l'aura qu'après son baptême. C'est pour ça que même si c'est très beau, et je sais que ça peut être magnifique, il n'y aura pas
d'illumination d'église. Je sais que ça se fait dans certaines paroisses, je sais que vous l'avez vécu une fois ou l'autre. Vous avez mis plein de lumières, de spots qui changeaient, etc., pour accompagner le récit de la création, etc. C'est très très beau et je trouve ça génial, mais pas ce soir-là. Parce que ce soir-là, la seule chose qui nous éclaire, c'est la lumière du Christ et rien d'autre. Donc, alors on a d'autres moyens de l'exprimer, mais donc voilà. Et donc, on consacre le Père par le Christ hier, aujourd'hui, commencement à la fin, alpha, oméga, etc., etc., la consécration du temps. Et puis, après l'incision en forme de croix, donc on a un stylo et on refait les plaies du Christ. C'est le Christ ressuscité, et quand le Christ est ressuscité, on le reconnaît à ses plaies. Et donc, dans le siège pascal, il y a les cinq plaies, les cinq clous. Alors, les cinq, on appelle ça des clous. C'est des pointes comme ça qui rappellent les cinq plaies du Christ, par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Et on met 1, 2, 3, 4, 5, les 5. C'est pour ça que un cierge pascal catholique, parce que les protestants ont des cierges pascal aussi, pascaux. Et dans les catalogues, il faut se méfier, un cierge pascal catholique, il y a toujours une croix. Et l'année, elle est là autour. 2022, voilà. Hop, comme ça. Avec un alpha et un oméga. Ok. Ça, c'est catholique. Voilà. Ça, c'est un cierge passé. Après, il y a d'autres motifs là, si on veut. Mais aujourd'hui, dans les catalogues, vous allez trouver où il y a un dessin là. Alors, vous avez un dessin, ce que vous voulez. Et ils mettent alpha et oméga là et la date en bas. Ou l'inverse. Ça, ce sont des cierges pascal, protestants ou catholiques qui n'ont pas, pas catholiques en tout cas, qui n'ont pas cette consécration-là. Et souvent, les conseillers de fabrique les commandent parce qu'ils les trouvent jolis, mais bah, c'est joli, mais ils ne sont pas catholiques. Donc, on veille à ce que les cierges pascal soient catholiques parce que tout a un sens. Et la date nous dit que nous, en 2024, on est toujours autour de l'unique croix du Christ. Pas un truc, on est en dessus, on est en dessous. On est au commencement et à la fin. La croix du Christ est toujours au centre. Et nous sommes toujours face au mystère du Christ. C'est pas au-dessus ou en dessous. Le début et le commencement, oui, c'est bien. Nous, on est là et Jésus au milieu, il fait ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Donc, c'est important. Alors, plus personne le sait, personne ne le voit, c'est pas important. Mais encore une fois, quand nous, on oublie le sens des choses, comment vous voulez qu'on transmette la foi avec tout le sens et toute la richesse de notre foi. C'est normal qu'on passe pour des pimpins face à des jeunes musulmans qui sont mieux formés que nous. Nos jeunes catholiques connaissent plus rien, ils disent, tu parles de Dieu, tu connais rien. Et puis une fois qu'on rentre dans l'église, en chantant Lumière du Christ, l'église est dans le noir, on chante l'exultet, le prêtre ou le diacre, qui est comme l'évangile, et c'est l'annonce de la Pâque. Et donc là, il reprend toute l'histoire du salut, Felix culpa, bienheureuse faute, qu'il nous a fallu un tel rédempteur, etc., etc. Il y a tout ce chant de l'exultète-là, et où l'assemblée répond. Et puis voilà. Et ensuite, on arrive dans la liturgie de la parole. Donc il y a sept lectures. Comme il y a les baptêmes, on ne prendra pas les sept. C'est un choix pastoral que j'ai fait. Il y en a trois qui sont obligatoires. On a coupé un petit peu la poire en deux. Je préfère que les gens passent une belle vigile et qu'ils soient contents d'être là en prenant moins de lecture que de tout faire dans les règles et qu'à la fin ils disent c'était trop long, c'était chiant, on ne reviendra plus. Les purs et durs qui veulent vraiment une vigile comme il faut qu'ils aillent dans une abbaye cistercienne, bénédictine, la vigile sera à 4 h du mat et elle durera jusqu'à 8 h du matin parce qu'en principe la vigile termine au lever du soleil. N'est-ce pas, frère? Non, c'est comme ça. Là. Donc, chez les cisterciens, sitôt, la vigile commence à 4 h 30. Et on en a jusqu'à 8 h. 8 h 30. On prend le petit-déj, et puis c'est la messe du jour. Voilà. Donc là, il y a les lectures, on nous rappelle la création, toutes les étapes du salut, etc. Et ensuite, il y a la liturgie baptismale. C'est là qu'on baptise, la bénédiction de l'eau, etc. Et en fait, c'est la messe qui nous redit qu'on a été plongé dans la mort l'argent du Christ, qu'on tire des bénéfices de et que nous sommes reliés à tout ce que nous avons vécu depuis le jeudi soir. Il y a l'eau, on est plongé dedans, on rappelle notre foi. En fait, on se redit
en quoi tout ce que nous avons vécu avec Jésus jusqu'à au moment de sa résurrection nous concerne, nous, change notre vie et nous conduit au salut. C'est pour ça qu'il y a la litanie des saints. Parce qu'il y a tous ceux qui ont cru avant nous et qui sont là avec nous à célébrer cette résurrection avec nous, puisqu'on est hors du temps, puisqu'on est avec eux. Et puis il y a la proclamation de la foi. Et puis après, il y a l'aspersion. L'aspersion, c'est pas juste pour le curé avec un plaisir sadique trempe tout le monde. L'aspersion, c'est pour vous dire, elle rappelle deux choses. Elle rappelle le grand prêtre qui aspergeait le peuple du sang pour les purifier. Et elle rappelle que par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Elle nous rappelle à nous qui avons été baptisés bébés il y a longtemps, qu'on a été plongés dans cette eau-là. C'est pour nous rappeler notre baptême. Et c'est pour ça qu'il y a l'eau bénite à l'entrée des églises, pour nous rappeler notre baptême. Voilà. Et après, quand on a fait la liturgie baptismale, c'est la messe comme tous les dimanches, jusqu'à la fin. Et puis là, on est parti pour 8 jours de fête, l'octave de Pâques. Et tous les jours, c'est messe avec Gloria, Credo, même en semaine. Et pendant cette semaine-là, s'il y a des funérailles, on les célèbre en blanc et on garde les textes du jour. Il n'y a pas de funérailles pendant l'octave, c'est la vie. Et donc on célèbre le salut pour cette personne-là et on célèbre les funérailles en blanc. Avec la messe de l'octave de Pâques, avec des alléluia, des chants de fête, etc. Parce que nous sommes chrétiens, et ouais, et il est en plein dedans, la chance, quoi. Il est mort pendant. Il est juste mort quand il faut. Ça va? Donc voilà un petit peu pour le Triduum Pascal, comment se vit les choses d'un bout à l'autre, et voilà comment nous allons les vivre. Et pour terminer avec ça, la Semaine Sainte, qui pour nous chrétiens est la semaine la plus importante de l'année, nous offre l'opportunité de nous plonger dans les événements centraux de la rédemption, de revivre le mystère pascal, le grand mystère de la foi. À partir de jeudi midi, avec la messe de la Seine, tous les rites nous aideront à méditer de manière plus vive la passion, la mort et la résurrection du Seigneur, pendant les jours saints du Triduum Pascal, foyer de toute l'année liturgique. Et pendant le temps pascal qui suit après, il y a la tradition ancienne qui a été beaucoup oubliée en France, mais qui se vit toujours en Corse, en Italie, et en fait partout en France. Les prêtres sont invités à aller bénir les maisons. Et donc, il y aura, sur le bulletin qui va vous être donné dès dimanche, des fiches d'inscription. Et avec l'équipe des prêtres, avec Jacques, vous nous donnez, venez bénir la maison, et les prêtres viennent bénir la maison. On apporte la victoire du Christ jusque dans chez nous. On manifeste en faisant bénir nos maisons, etc., etc., que ce salut, il est concret pour ma vie d'aujourd'hui. Et même si on a déjà béni sa maison au moment de la construction ou le jour où on l'a acheté, tous les chrétiens sont invités à faire bénir leur maison tous les ans pendant le temps pascal. Et donc je remets ça en place. Tous les ans au temps pascal, une fois l'an, le prêtre vient au temps pascal. C'est une opportunité pour le prêtre de rencontrer les gens, de passer du temps avec eux, de partager quelque chose, etc. Donc il y aura des formulaires d'inscription et avec tous les prêtres, on vous dira, ben voilà, je vous appelle, ok, on fixe le moment et on vient pour bénir les maisons avec l'eau baptismale. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Faut qu'on remette ça. Voilà. Donc le formulaire arrive, vous l'aurez dimanche de Pâques, dans le bulletin, il y aura un formulaire spécial. Et il y aura la deuxième chose, nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ, nous sommes une communauté, et on ne se connaît pas toujours. Alors ça va lancer l'opération, en dessous il y aura un deuxième formulaire d'inscription qui s'appelle « Et si on s'invitait ?» Mais ce n'est pas vous qui invitez, c'est moi. Vous allez me remplir le petit papier en disant « Moi je peux accueillir 4 personnes, ah moi j'accepte d'être invité. » Et c'est moi qui ferai l'entremetteur. Et je vous dirai, voilà, un tel, vous allez dîner ensemble et vous trouverez la date et vous me dites quand. Et si je peux, je viens boire un coup avec vous. Et l'idée, c'est que pendant ce temps, pascal, on se retrouve entre chrétiens pour fêter ensemble la résurrection du Christ et partager en communauté. Voilà, donc vous vous dites. Et puis en général, il y a une organisation, les personnes qui sont invitées amènent le dessert. Alors si on reçoit 2 coupes, il y en a un qui amène l'apéro. Comme ça, c'est réparti, hein, c'est pas. Mais l'idée, c'est de se dire, pendant le temps pascal, c'est la fête. En église, on se réjouit de la résurrection du Christ.
et on se retrouve pour le fêter ensemble, avec des frères et sœurs en Christ. Donc, c'est les deux grands trucs du temps pascal. Moi, j'inviterai au presbytère. Il y a des gens qui seront invités chez moi. Et puis, peut-être, je m'inviterai chez quelqu'un. Et donc, du coup, l'idée, c'est que la victoire du ressuscité, elle vienne sanctifier nos maisons et elle sanctifie nos communautés dans un vrai échange. Après, ce ne sera pas obligé. Hein. Ceux qui ne veulent pas venir en maison, bah, tant pis pour eux. Puis ceux qui ne veulent pas participer à ça, bah, tant pis, ce n'est pas un problème. Ça reste toujours de l'ordre de la proposition. Mais c'est un moyen de vivre de façon concrète dans notre vie tous les jours cette victoire de Pâques, cette résurrection. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Nous préparons, alors, préparons-nous à vivre intensément le Saint-Triduum pour participer toujours plus profondément au mystère du Christ. La Sainte Vierge nous accompagne sur cet itinéraire, elle qui a suivi en silence le Fils Jésus jusqu'au calvaire, en prenant part à une grande peine à sa souffrance, coopérant ainsi au mystère de la rédemption. Avec Marie, nous entrerons dans le Cénacle, nous demeurerons au pied de la croix, nous veillerons idéalement auprès du Christ mort, en attendant avec espérance l'aube du jour radieux de la résurrection. Dans cette perspective, eh bien, je souhaite que nous vivions une belle fête de Pâques. En communauté. Oui. Oui, il y a trois huiles différentes. Il y en a trois. Une qu'on n'emploie plus beaucoup. C'est trois fois de l'huile d'olive. Pure, pression à froid, bio. Non, mais vous rigolez avec tout ça. Mais en fait, on peut rendre pas. C'est pas de l'huile de palme. Hein. C'est pas de l'huile de vidange non plus, hein, voilà. Donc, tout simplement parce qu'au pays de Jésus, ben, c'est de l'huile d'olive et qu'on s'inscrit dans la tradition biblique. Dans tout l'Ancien Testament, on soignait avec l'huile d'olive qui prenait soin des corps. Et donc, en fait, il y a deux huiles non parfumées, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes, pour lesquelles on donne une prière de bénédiction. Elles sont bénies. C'est pour ça que les prêtres, si un jour on est dans une... si on est quelque part et qu'il manque d'huile, je peux facilement le bénir. Je vais chez quelqu'un, vous me demandez d'aller donner le sacrement des malades à quelqu'un, j'ai oublié mon flacon d'huile des malades à la maison, chez vous, vous avez un peu d'huile, tu peux la bénir, pop, c'est bon. L'huile des pains. Le Saint-Crème, ben non, il est consacré. C'est pour ça que le Saint-Crème, les saintes huiles, là, pareil, on a dit qu'on vidait le tabernacle, je ne garde pas les huiles des années passées. Là, je vais faire le tour des huit églises de notre communauté, je vais récupérer toutes les fioles, je vais enlever l'huile qui reste dedans, on va les mettre dans une vase. Alors moi, j'ai une lampe à huile et je le fais brûler devant une icône, parce que sinon, il faut l'enterrer. Voilà. Alors, le Saint-Crème est parfumé, donc ça sent bon en plus, ça sent bon dans la maison, quand il n'a pas ranci. Et donc on brûle l'huile. Parce que, en fait, le Triduum Pascal, c'est la grande remise à zéro. C'est pour ça qu'on dit faire ses Pâques. On a été pardonné tous nos péchés. Et on revit la communion, la sainte communion, etc. C'est une remise à zéro de notre foi. C'est le point zéro. On redémarre à neuf. On est tout neuf, tout newt. Tout nouveau. Et c'est pour ça que c'est le nouveau Saint-Crème, c'est pas le Saint-Crème de l'année passée, c'est le nouvel huile des malades, c'est de l'eau bénite, c'est l'eau baptismale, c'est pas l'eau de l'année passée. En rigueur de terme, je devrais garder qu'un petit peu d'eau bénite pour bénir le feu, et encore, c'est l'ancienne liturgie, j'ai pas besoin de ça. L'encensoir de la vigile pascale, je l'allume avec un charbon qui vient du feu nouveau que j'ai béni. C'est complexe, hein. c'est pyrotechnique tout ça. Mais l'encens brûle avec le feu nouveau, le feu de la lumière du Christ. Tout dans la vigile est nouveau. Le tabernacle est vide, on consacre des nouvelles hosties, tatatatata. Et chez les orthodoxes, jamais fait, mais j'ai des confrères qui le font, chez les orthodoxes, à chaque lecture, ils changent d'ornement. Ouais. Et ils partent d'un ornement blanc à de plus en plus festif, de plus en plus festif, de plus en plus... chez les orthodoxes, c'est déjà pas mal. Chez les orthodoxes, il n'y a pas de couleur vraiment liturgique, mais on leur conseille quand même de prendre du blanc ou du doré, mais ils peuvent prendre n'importe quelle couleur sauf le noir.
Chez les orthodoxes, il n'y a pas le code couleur liturgique comme nous. Et donc, à chaque lecture, les popes changent d'ornement pour dire que tout est nouveau, que la parole de Dieu nous renouvelle tout le temps, 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 tout le temps. Et pendant toute la liturgie, qui dure 4h30, ils changent 6, 7, 8 fois d'ornement. Pour manifester que c'est la débordement de vie, que tout redevient nouveau, que tout est régénéré, que rien n'est vieux. Alors, les orthodoxes sont très dans les sens. Et alors, ils le manifestent beaucoup avec magnificence, mais c'est vraiment pour... Alors, les gens, ils ne comprennent pas, ça change tout le temps. Oui, parce qu'en fait, on symbolise l'explosion de la vie. Nous, les latins, on est un peu plus raisonnés. Voilà. Mais je pourrais... Je crois que j'achète Chasuble pour changer toutes les lectures. C'est pas un problème. Mais non, c'est compliqué. Mais c'est important, le renouveau de la vie. Et donc... Quand vous achetez un chocolat et qu'il y a écrit dessus « Joyeuse Pâques », c'est écrit au pluriel, parce qu'en même temps, nous fêtons la Pâque juive et la Pâque chrétienne. C'est pour ça que c'est les fêtes de Pâques. Il y a les deux Pâques en même temps. Mais la première Pâque aussi, pour les Juifs, c'est la première lune du printemps. C'est pour ça qu'on a un calendrier qui change, et c'est la pleine lune là en ce moment-là. On est en plein dedans. D'autres questions ? Alors, les orthodoxes, c'est comme nous, sauf que comme ils n'ont pas le même calendrier que nous, enfin, ça dépend lesquels, ça ne tombe pas forcément comme nous. Il y a un décalage, il peut y avoir un décalage de 6 jours. Comme Noël. C'est des questions. Les protestants sont sur notre calendrier à nous. Mais les protestants, eux, ne fêtent que vraiment le vendredi saint, la mort de Jésus sur la croix. C'est tout. Et ce jour-là, c'est ce jour-là où, comme nous, on fait couper nos cloches, c'est là où ils s'en donnent à cœur joie de faire sonner leurs cloches à eux.